Oui, allô? Oui, mon ami. Hein? Tu as mal au ventre. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as mangé quoi? Ah, du pain. Si toi, tu savais comment on transporte les pains à Bamako ici, tu n'allais pas acheter du pain. Ah non, mais c'est sur des manteaux. Souvent, il n'y a même pas de plastique pour couvrir le pain. Ils viennent, ils rentrent dans le Wouloudji. Et Wouloudji, ça monte sur le pain. Et nous, on achète dans les boutiques. On ne se rend pas comment les pains sont transportés depuis le lieu jusqu'à la boutique. Et c'est normal. Et c'est un problème qu'on doit, on doit trouver des solutions pour ça. Il faut des voitures au moins pour transporter le pain. Oui, les services d'hygiène, au lieu de s'occuper du pain, eux, ils ne s'occupent pas de ça. Ils préfèrent poursuivre les yala yala kela que froid et c'est rentré ici, c'est sorti. Mais ça, c'est des problèmes aussi qu'ils doivent s'occuper. Oui, je sais, tu es malade, tu m'écoutes. Oui, bon, franchement, moi, la solution, c'est de dire à Moussa Mara de Mara ça aussi. Il n'a qu'à faire attention à ça, quoi, parce que c'est important. Parce que comment t'es co? Si nous, on avale le pain, on est malade, la typhoïde, plein de maladies peuvent nous arriver à travers le pain. Ouais. Et imagine si les Benba, même les camions, là, brrr, ça passe, le pain derrière lui avec la moto, ça fait brrr, poussière, mais caca. Ah, c'est dangereux. D'accord, oui, rappelle-moi après, il n'y a pas de problème, oui. Moi, je suis à votre service, si vous avez des problèmes, c'est là, appelez-moi, il n'y a pas de problème. Merci, mon frère. Allah Kanoura Ake, Iga Bourou Nogolendoum Dabla. Merci.